Et hop tout le monde, c'est Inoxen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire montrer les nouveautés sur mon serveur RP. Donc spécialement les nouveautés que j'ai rajoutées, donc les nouveaux lieux ouverts. Donc là on est en compagnie de Overworld, donc salut à toi. Donc voilà, donc il a changé de pseudo, donc sa chaîne je pense que vous savez ce que c'est Natrix. Je la mettrai en description, parce que du coup il a participé à la vidéo avec moi. Puis on va commencer par le tribunal. Donc pour le tribunal faut sauter, donc ça marche pas tout, ça marche pas à tous les coups. Là ça marchait. Donc voilà pour le tribunal. Donc on peut marcher partout, enfin pratiquement partout. Presque. Ouais presque. Donc là vous pouvez aller derrière le comptoir. Ah bah non vous. What? Bah il me restera des trucs à mettre. En tout cas regardez, vous tombez dans le vide, vous mourrez pas, ça va vous faire sortir. Ça c'est déjà le bon truc. Bon, voilà, donc le tribunal, c'est vraiment dans des cas extrêmes que vous amenez des gens ici. Hein. C'est pas juste pour un délit de fuite ou quelque chose comme ça. Hein. C'est vraiment pour des interventions extrêmes ou quoi. Donc voilà pour le tribunal. Donc comme c'est le délire, mais les gens étaient morts, donc je pense pas qu'on aurait pu. Ouais. Donc là les gars, on va passer à la suite. Donc on va passer directement au Burger King et moi je vous dis à tout de suite. Donc les gars, donc aussi un petit truc bonus, enfin ouais c'est un peu bonus. Donc l'unicorne a ouvert, donc enfin il y a déjà un patron pour le unicorne. Donc voilà, donc j'ai mis des petites décorations. Bah d'ailleurs le Burger King il est juste ici, donc on va y aller. Donc, voilà. D'ailleurs j'ai rajouté ces véhicules pour la police mais en noir, parce que ça de base c'est un véhicule de MS, mais vu qu'on est pas en RP, j'ai très bien le droit de le prendre. Donc pour la police j'ai rajouté un Runpo Custom en noir, donc spécialement pour les interventions, hein, c'est un véhicule spécialisé pour les interventions, donc vous pouvez monter à 3D dans le véhicule. Donc voilà. Donc là par exemple faudrait pas que je me faille. Donc par contre ici vous pouvez avoir un bug, genre ça vous met sur le toit. C'est voilà. Donc voilà pour le Burger King d'ailleurs. Donc juste pour le Burger King je vais vous conseiller quelque chose. Ne vous mettez surtout pas derrière les chaises, sinon ça va vous faire un bug. Donc je vais vous faire montrer tout de suite ce que ça fait. Vous allez voir. Voilà, ça nous fait ça. Et voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis de pas dépasser, de pas dépasser les chaises. Donc voilà. Donc j'ai aussi rajouté une batte pour les ballasts. Et aussi rajouté des véhicules. D'ailleurs, on va aller tout de suite au concessionnaire. Je vais vous faire montrer qu'est-ce qu'on a rajouté et comment on fait pour pas avoir un écran noir au concessionnaire. Attends, vas-y remonte. Donc d'ailleurs je vous fais montrer la technique. Vas-y. Donc là il appuie longtemps sur triangle. Et après vous devez rouler directement quand il monte. Voilà. Donc là après c'est bon, ça marche. Donc là je vais pas faire de coupure parce que c'est juste à côté. Donc je tiens juste à vous dire que pour les armes j'essayerai de mettre le plus vite possible dedans les bâtiments. Parce que c'est vrai que c'est pas le plus sécurisé dehors, hein, on va pas se mentir. Enfin c'est même pas sécurisé. Surtout à l'armurerie. Donc voilà. Donc là les gars on est. Donc là je vous présente pas ma map entière, hein. Je vous présente juste les nouveautés. Donc le concessionnaire c'est pas une nouveauté parce que je vous l'ai fait montrer dans ma vidéo. Mais il y a des nouveaux véhicules que j'ai rajoutés, donc ça c'est une nouveauté. Donc là ce que vous faites, vous sautez, voilà, vous spammez carré. Ah bah voilà, ça n'a pas marché, faut bien aller au bord en fait. Donc je vais vous faire montrer. Vous spammez carré, donc en fait, je vous explique. Une fois que vous êtes dedans le concessionnaire, en fait, vous pouvez pas vous promener. Vous pouvez pas vous promener à pied carrément dedans le concessionnaire. Parce que en fait, sinon ça va vous faire un écran noir. Mais une fois que vous êtes dedans un véhicule et que vous vous promenez dedans le concessionnaire avec un véhicule, et bah ça marche. Donc voilà, donc bon, je vais. Attends, j'essaie encore une fois, si ça veut pas, c'est pas grave. Donc voilà, ça marchait. Donc j'ai pas d'écran noir. Ok, voilà. Donc je vais aussi vous faire montrer un petit système avec les véhicules. Donc pour que ça se roleplay, vous allez voir. Je pense que je vais peut-être déplacer les véhicules aussi, parce que sinon c'est pas roleplay. Donc là, vous allez tout simplement à l'arrière. Voilà, regardez, vous allez tout simplement à l'arrière. Donc vous tombez dans le vide, hein, c'est bizarre, mais c'est le seul truc que je peux pas faire mieux. Donc là vous regardez, vous tombez et hop là vous spawnez derrière, donc c'est vraiment roleplay. Enfin vous spawnez de l'autre côté, voilà, bah mon pote il a carrément spawn derrière, donc voilà. Bah tiens, on va rester en voiture comme ça on ira plus vite. Puis les gars je vous dis à tout de suite pour le Bahamas. À tout de suite.
Donc re les gars, donc là on est tout simplement aux Bahamas, donc le nouveau bâtiment que j'ai réussi à ouvrir ce matin. Donc j'espère vraiment que vous allez bien aimer le lieu, parce que je pense que vous allez bien l'aimer. Vous vous mettez en sneak, vous allez tout simplement ici. Donc là vous courez, voilà c'est bon je suis rentré. Vous sautez, vous appuyez sur carré. Donc là en fait faut bien que tu appuies sur carré, faut que tu te mettes en sneak Nathan. Mmh. Je te vois. What? Les gars c'est trop bien. Je peux sortir quand je veux. Ah non je peux pas sortir. What the fuck. Enfin bref. Du coup il galère un peu mais en fait faut que tu te mettes en sneak. Ouais c'est bon. Mais faut que tu te mettes faut bien que tu fasses. T'arrives pas à venir. Moi j'arrive à le faire, c'est bizarre. Non il faut appuyer sur quelle touche? Bah tu te mets en sneak comme ça, comme je suis. Et après t'appuies sur carré pour sauter. Une fois que t'es dedans le truc. Ah, okay. Avance, faut que t'avances. Mais non mais. Attends, comment je peux te faire? Ah c'est bon, t'as réussi à rentrer. Ok. Donc on a. Bah oui. Donc les gars, donc là, on a le Bahamas. Donc là on a tout simplement le bar. Donc avec toutes les bouteilles et tout. Donc voilà, donc là on a les. Bah oui. Et j'ai même pas eu besoin de mettre des plaques pour qu'on puisse tenir dedans le truc. Donc voilà, donc vous avez plein de verres et tout, donc c'est moi qui ai fait tous les glitches dans ma map, de toute façon personne d'autre peut modifier ma map, donc c'est que moi qui peux faire ça. Donc j'ai regardé une vidéo, j'ai vu il pouvait rentrer dedans le Bahamas, donc je me suis dit pourquoi pas faire le glitch. Et j'ai réussi, du coup je me suis dit voilà c'est bon. Je pouvais le faire. Donc là on a encore un autre bar. Donc on a deux bars dedans le Bahamas. Donc aussi nous en tant que policiers on peut aussi intervenir dedans le Bahamas hein, si y a une intervention à faire. Donc on peut sortir les armes hein. Enfin là j'ai pas d'armes mais je sais qu'on peut sortir les armes. Donc voilà pour le Bahamas. Je pense que les gars je vous ai tout présenté. Après dans le désert je pense que vous savez ce qu'il y a, la prison fédérale. Le commissariat de gendarmerie à Palitou Bay et la flèche à banque. Puis la base militaire mais qui sert à rien, je pense que je vais l'enlever parce que on peut pas mettre plus de 5 catégories de véhicules. Ah oui aussi dans la planque j'ai rajouté des armes parce qu'il y a une planque aussi. Là juste ici il y a une planque. Donc voilà. Et pour l'hôpital j'ai aussi rajouté un kit et puis voilà. Donc voilà les gars c'était la fin de la vidéo. Donc voilà, donc je vous ai fait montrer les nouveautés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager à vos potes. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Natrix. Je mettrai tout simplement son pseudo en description. Oui mais c'est... Enfin... On passe à travers mais c'est RP en même temps parce qu'on dirait on s'assoit. Bref, allez, moi je vous dis... Bisous.